Et voilà ce qui se passe dans la série. Alex Labbé, Season of Champions, on est dans le chase. C'est la post-saison. On va s'en mettre un peu de musique pour l'instant. On n'est pas pressé encore. Parce qu'on va encore un petit peu jaser. On va aller voir qu'est-ce que le classement a de l'air avant de transférer vers le serveur. Donc, comme vous voyez, ça, on est dans la ronde du Aspiring 12, des trois premières courses du chase. On a eu Martinsville la semaine dernière avec les résultats que vous voyez ici présents. On est au Texas cette semaine et la semaine prochaine, on est à Loudon, au New Hampshire. Donc, les 8 premiers après Loudon vont avancer vers le Ascending 8. Donc, où est-ce que je me suis situé en ce moment? Martinsville était difficile. J'ai eu une petite erreur à la fin de la course qui m'a coûté. J'étais à deuxième. C'est vraiment décevant, mais on est là pour surprendre cette semaine les 1000 ennemis. C'est une des pistes préférées. Texas, j'ai déjà remporté une victoire là-dessus, donc j'ai des gros espoirs que je suis capable de chercher un gros résultat. Va falloir courir après Monsieur All By Myself, Labbé, qui a récolté une très très beau résultat à Martinsville la semaine dernière. Même chose qu'avec Monsieur le 93 Patrick Mercier, 43 trop talent, 3 excellents pilotes. Donc comme vous avez pu voir dans le vidéo promotionnel du Chase, tous des gars qui ont mérité leur place. Ça va être très difficile ce soir de se classer, mais on va faire notre possible. Donc, on va être prêt à transférer vers le serveur. Espérant que tous mes overlays sont en ordre. Donc, on va faire ceci et on va faire ceci. Devrait être fonctionnel. Il me reste juste une petite dernière chose à faire. Ça va être de mettre fin malheureusement à la musique. Parce que quand la course, la musique... On n'en aura pas besoin, j'aime bien ces Avenged Sevenfold, mais on n'en aura pas besoin pour ce soir. Ah, ok. On va remettre le son d'e-racing et du TeamSpeak. Et pareillement, on va se faire la salutation au pilote. Donc, e-racing, on va juste le diminuer un petit peu pour être sûr que tout soit en ordre. Il reste encore environ une vingtaine de minutes à la pratique. On va procéder à ce qu'on appelle le pit party officiel, donc la pratique officielle. Messieurs, nous sommes en direct. Parlez pas tout en même temps. Oui, bonjour. Salut tout le monde. Ok. Donc, on va aller faire des petites rondes de pratique. Cet setup que j'ai en ce moment est un petit peu délicat. Je le trouve un petit peu lousse, un petit peu dangereux sur la longue run, donc on va essayer de travailler là-dessus. C'est vraiment le temps que j'ai quand même très bon. Sachant que c'est pas un temps avec le table de calife à l'avant. For anyone who's watching, please feel free to speak in English in the chat. I have the chat open on my cell phone right here. So, please, by all means, this, as is mentioned, this chat is fully bilingual. And I'm really not afraid of going in both directions in terms of the language, so... On va commencer ici très tranquillement. On y va pour une run de pneus ici, on y va pour la longue run. On veut vraiment voir qu'est-ce que le setup fait. La température est un peu plus froide que ce qu'on devait pratiquer. Un petit peu plus de grip disponible. On va voir qu'est-ce que ça va donner sur la longue run. Donc, nouveauté qui s'en vient aussi pour la série Spinner Simulation. On va commencer une série de Dirt, évidemment iRacing, qui a fait la publication de sa version de la course sur terre battue, qui est extrêmement populaire. Et nous, on va lancer notre série à partir des dimanches soirs. On commence à avoir des serveurs de pratique pour monter cette série-là. Ça va être une série relativement courte avec l'été qui s'en vient, mais c'est une de nos nouveautés chez Spinner Simulation Super Series qu'on va lancer ça. On termine la saison Alex Labbé Season of Champions le 3 mai à Homestead. Pour l'instant, le setup semble très stable. C'est sûr que les premiers tours ici, l'attaque a vraiment beaucoup d'adhérence. Donc c'est difficile à juger. La voiture est très très stable. Mais c'est vraiment l'usure qui va déterminer. Salut Alex. Donc, Monsieur Labbé qui joue en serveur. Monsieur Labbé, bienvenue. Yes. Hey, bon, là, m'a transféré sur mon challenge, on va se parler un peu. Ah, voilà, on vient, on fait rien à savoir de tout. Mais l'avantage d'avoir une ligue très une québécoise qui est très jaseuse, vous allez reconnaître. Pour l'instant, évidemment, en pratique, on se permet d'avoir du plaisir un peu plus. En course, ça va être un peu plus, pas mal plus sérieux. Moi-même inclus.
Monsieur Manix Richer, commandité par Vap Depot, d'ailleurs, je vais en profiter pour en glisser un mot. Notre ligue, l'Alex Labbé Season of Champions, sous la Spinner Simulation Super Series, on est la première ligne québécoise à commanditer des pilotes. Monsieur Claude Ferland et Manix Richer ont été nos deux pilotes commandités de la saison dernière. Monsieur Ferland par Formule Ford de Grande Bay et Monsieur Richer par Vap Depot de Boucherville. Donc on a vu Monsieur Richer avec sa voiture de la Ford numéro 6 de Vap Depot. You get to lift it up a little bit in the entry. Donc on a déjà quelques tours de fait, je sens vraiment que la voiture est très stable. J'ai fait un ajustement déjà que pour la rendre un peu plus tight, la rendre plus souvireuse parce que je l'avais échappé au bout de 10 tours. C'est vraiment ça que je vais chercher. Pour l'instant, j'ai pas levé le pied encore, ça c'est ce qui m'inquiète beaucoup de la course ce soir. Ça va être assez difficile de dépasser puisque les voitures vont être très performantes. Les voitures vont être vraiment bonne sur pas mal la durée de la run, mais ça va, comme Manix vient de le mentionner en anglais, de conserver ses pneus. Ça va être là vraiment l'importance, puis de bien calculer notre stratégie. On fait environ 26 tours sur une un plein d'essence. Donc notre ligue roule avec une limite de 50% au niveau du maximum de l'essence, donc on peut avoir un maximum de 9,4 gallons d'essence dans la tank. Donc bien important de garder ça en note. Ça rend les voitures plus légères, un peu plus difficiles à contrôler à la fin des longues runs. La stratégie ce soir que je considère, je pense que je vais faire ce qu'on appelle du short pit. Donc je vais rentrer au puits un peu plus tôt que la fin du plein d'essence. Donc du réservoir, avant de le vider au complet. On va peut-être rentrer 3 à 4 tours, si c'est pas 5 à 6 tours avant, pour aller s'assurer que mes pneus restent vraiment au maximum de leur performance. Comme là, je commence à sentir la voiture un peu plus délicate à conduire. On va essayer de sortir d'ici, mais ça devrait pas être si pire. Donc déjà, je pense que dans la 1-2, je vais devoir commencer à lever le pied un petit peu. On a déjà une dizaine de tours de fait dans notre run. Pour leur être prudent. On voit déjà un petit peu de fall-off qu'on appelle. On commence à perdre un petit peu au niveau des temps autour. On va rentrer un peu plus délicatement ici, on va lever le pied un petit peu. Garder la voiture le plus dans la groove du bac possible. Ça semble assez stable avec l'ajustement que j'ai fait. Les températures sont chaudes un petit peu au niveau du moteur. On se rend beau, Eric. Merci beaucoup. Je remarque, peut-être que vous le voyez pas à cause du logo, mais mes deux gauges, mes deux indicateurs sont quand même chauds. 260 sur l'huile, 260 sur l'eau, donc peut-être que 52% de tape, ça va vraiment être la limite ce soir. Oh, c'est beau, Manix. On était chanceux parce que Claude l'échappait à sa suite. Dernier top. Ouais, mon suivant là. Donc vraiment lever le pied, ça l'aide au niveau du 1 et 2, au niveau de la stabilité. La voiture se comporte très très bien quand on lève le pied. 3-4 pour l'instant, j'ai pas ressenti le besoin de lever le pied. La voiture commence à glisser un petit peu, donc signe qu'on va être survireux dans quelques tours. Donc 3-4, tu vas lever un petit peu le pied. Vraiment s'adapter à la ligne de course, ça va être important ce soir parce qu'on va tous rouler en majorité en bas. Donc ce qui va arriver, c'est qu'on va avoir le même phénomène. Oh, c'est tight, ça. Oh, ça a sous-viré, ça. Étrange, parce que tantôt, j'étais vraiment sur-vireux. Donc c'est signe que l'ajustement que j'ai fait est un peu trop en faveur du sous-virage. Que je vais devoir reculer un petit peu là-dessus. Mais c'est bon signe. Parce que je préfère être sous-vireux que sur-vireux. C'est plus facile à contrôler une voiture qui veut se diriger vers le mur qu'une voiture qui veut conduire, qui veut se retrouver avec le derrière à l'avant. Donc on va continuer notre run. Évidemment, dans des temps comme ça, le setup que j'ai déjà est pas mal avancé. On l'a travaillé beaucoup, donc j'aurais pas à le repasser sur la télémétrie. Je suis pas mal sûr que la bavette avant est au niveau du sol le plus possible. C'est là qu'on va chercher notre adhérence aérodynamique avec les stock cars à ce niveau-là. Donc ça, ce côté-là, j'ai pas besoin vraiment de m'adapter. C'est vraiment plus la conduite sur la longue run qui va être à corriger
dans ce cas-ci, puis dans ce cas que je remarque, j'ai peut-être été un petit peu trop agressif sur mon ajustement, je vais reculer un petit peu, puis ça devrait être assez bon. C'est sûr que M. Adam derrière moi, lui sort des puits, donc il y a des pneus frais, ça paraît beaucoup. S'il y a une run sur moi, je vais sûrement le laisser aller. Comme là, il va me rester 13 ans de tour sur la... On a vraiment usé les pneus beaucoup au début de la run, ça apparaît beaucoup, on perd beaucoup de vitesse. Ah, go for it, Adam! Ouf! I think... Adam, I think you didn't hear me, right? I said, go for it. I did go for it. The turn 4 wall. Yeah, that's what I noticed. I wanted you to go low, but yeah, didn't quite get the result I wanted there. Sorry about that. No. That's okay. I was. That's all me. I'm messing around. Oof. Yep. C'est trop souvireux, ça, malheureusement. C'est de valeur parce que il reste stable. Je sais pas si parce que j'ai glissé. Yeah, like your setup. On va vérifier, on va aller voir que les températures de pneus me disent. Envoyez Brad. Ok, donc on était vraiment trop tête ici. Les pneus avant droit qui étaient plus chauds que les arrières, puis l'usure était pas mauvaise. Le camber, peut-être un petit peu à corriger ici au niveau des pneus avant. Oh oui, on le voit. Je me souviens pas qu'il y avait ce genre de camber là sur ce setup là. Je vais le laisser comme ça, je vais vraiment juste ajuster ce que j'avais ramené. Je vais le mettre à 125 ici, rendre la voiture un peu plus survireuse. Parce qu'elle était à 10 avant, je l'ai ramené à 6.5, c'était beaucoup trop. Donc je vais l'essayer à 7.5. Là, il me reste environ encore une douzaine de minutes de pratique pour essayer ça. Le pit party, je l'ai-tu manqué ou on l'a pas fait encore? Ah, fallait juste le demander. Il fallait que le demander. Non, je viens de me rendre compte que j'ai pas le chat depuis tantôt. Je vais aller chercher le chat. Non, excusez, j'ai l'air d'être sur mon cellulaire et d'être très impoli, mais c'est parce que c'est mon seul moyen de voir le chat, malheureusement. Ça me prendra un quatrième écran, puis je pense pas que mon processeur va apprécier, avec iRacing et le stream, de gérer un quatrième écran pour l'instant. Donc ma seule solution, c'est d'aller chercher Twitch sur mon cellulaire. Donc, qu'est-ce qu'on va faire en ce moment? C'est ce qu'on appelle le pit party officiel. Donc on va tous se lancer dans les puits pour pratiquer une relance, pratiquer de rouler en groupe. Ça va être bien important sur une piste ce soir comme Texas. On va tous rouler probablement vers le... à la même vitesse, donc à la même, au même pace, au même rythme, si je peux dire en français. Donc bien important qu'on pratique de rouler un à côté de l'autre. Pit road speed indicators on your tag to show up in first gear or do you have to be in second? Donc je vais voir si j'ai rien manqué dans le chat. Heureusement non. S'il y a quelqu'un dans le chat qui m'entend, libre à vous. Je vous laisse glisser un mot. Maintenant que je peux voir le chat sur mon cellulaire, je vais essayer de le placer comme il était avant. Ok. Ça reçoit comme il faut. When you get full green, you're at pit road speed. Yes. Let's roll. No shit. None at all. Hey, c'était un peu de party que tu fais là, t'as clenché de même. Ha! C'est pas faux. Elle a clenché. J'ai à peine, je suis monté à 100. Tighten up the field, tighten up the field, hurry up. Don't laugh, Barry. I'll be watching you, and if you fuck up, you'll get a black flag for sure. That's how it's supposed to be anyway, right?
But I'll are we doing this single file or double file? I was about to ask. I felt lonely. Car inside. Come on, guys, tied up. Still there. Hold your line. As-tu décollé, là, ou... Non, non, on est à 40 000 à l'heure dans le toit, là. Bah, allez. Un peu slow, boys. Come on, Eric, ça va rien. C'est pas moi qui ai le liqueur! Ok. Combien? 65? Ouais. Still there, hold your line. 3, 3, 2, 1, go! Peut-être on va mettre place. Clear outside. Ouais, j'ai parti, je m'en viens de joindre le peloton là, dans le fond. Donc vous m'excuserez si par moment je deviens silencieux un petit peu, c'est sûr que j'essaie de me garder concentré. Évidemment, je vais pas faire de niaiserie. Le plus possible, garder ma ligne puis protéger les autres voitures. Le but de la pratique ici, c'est vraiment pas de montrer qui peut rouler en avant, c'est vraiment juste de s'habituer avec les rouler les gars autour de nous. Fait que... Je dis ça, mais il y a quand même un petit peu de compétition. On se donne quand même. Faut être bien prudent. J'ai le réflexe de lever le pied à l'entrée de la 3 comme si j'étais dans le milieu de la run. J'ai des pneus frais. Sauf que then again, je suis en train de me dire que ça sera pas un luxe non plus. Monsieur Labbé, lui, il a l'air dans le fond. On va le laisser aller. À moins que Monsieur McNichol essaie de m'aider un petit peu. Commandité par McNichols Transmission and Performance, la voiture numéro 82 devant nous. On laisse Monsieur All By Myself Labbé, qui d'ailleurs, Monsieur Labbé, court ce samedi en Xfinity au Texas. Donc, à ne pas manquer, si vous êtes un fan de course automobile, un des excellents pilotes de relève qui s'en vient dans le NASCAR, qui a sa chance, sa première course sur un 1,5 mile en Xfinity ce samedi, c'est à ne pas manquer. On va être plusieurs à écouter ça très très attentivement. On lui souhaite la meilleure des chances. Une belle pratique ce soir pour lui dans le simulateur. Qui nous démontre en ce moment qu'il est très prêt. On le surnomme affectueusement dans la ligue All By Myself. Parce qu'il est habitué de rouler tout seul en avant. Comme qu'il est en train de vous montrer en ce moment. Mais non, c'est très agréable d'avoir un pilote comme lui qui participe dans la ligue. Ça rehausse grandement le calibre, puis d'avoir son expérience et ses connaissances disponibles quand on est en préparation comme ça, c'est un atout qui est incroyable. Vraiment chapeau à Alex pour sa participation puis pour son implication dans notre ligue, c'est vraiment très apprécié. Et on lui souhaite évidemment la meilleure des chances pour samedi. C'est un excellent résultat dans les circonstances qu'il va avoir. On est très confiant qu'il va être capable de performer à ce niveau-là. Sachant que cette année, c'est une année un petit peu de transition dans son cas. Donc, si je peux en parler un petit peu en vue de où ce que je voulais m'en venir. Donc, M. Labbé qui va avoir environ 3 à 5 courses cette année dans l'Xfinity pour aller chercher toutes ses licences. Pour être prêt à débuter la saison prochaine pour une saison complète en Xfinity. Donc, va rouler encore en Pinty's au Canada cette saison. Et d'ailleurs, c'est là que je voulais en venir. Nous, cette saison, on a The Banking, si je me trompe pas de côté. J'ai l'impression que ça c'est Spenard, ça c'est Banking, faut que je m'en rappelle. Donc The Banking, c'est notre show série téléweb à moi et Martin qu'on va décoller ça. Ça commence le 2 mai. On va avoir nos premiers épisodes qui vont être diffusés en ligne. Donc on va faire la couverture de la série NASCAR Pinty's au Canada. On va parler de l'Oval en général. On va aller faire la couverture chez... au niveau de l'autodrome Grande B. On a plusieurs concours et promotions très importants de suivre ça. On a des très beaux giveaways qui s'en viennent autant au niveau de banking que dans nos concours qu'on va organiser pour les événements de la série Pinty's. C'est vraiment à suivre dans ce cas-là. On essaye de suivre Monsieur All By Myself dans ce cas-là. On va le perdre de vue. Mais
bien important. Ça va être de... Gardez ça en vue de banking, ça va être un... Ça va être très bon. On s'en va le 21 mai à Mossport pour la première course de la saison. Ouf! On s'approche... Ça passe proche, mon Alex, hein? Donc... Première de la saison, le 21 mai, à Mossport, en Ontario. C'est notre exception de l'année. On était supposé faire les quatre courses au Québec, soit... Icar, le Grand Prix de Trois-Rivières, Saint-Eustache et Vallée-Jonction. Mais on se paye un petit peu le luxe d'aller à Mossport pour aller se faire connaître un peu plus, pour s'introduire au niveau de la série. Donc... Je vais pouvoir laisser la pratique de côté un petit peu, dans le sens que... Je vais voir combien de tours qu'il reste. 19 tours, il en reste encore beaucoup. On va être... On va essayer de voir ce que ça dit. Sauf que pour l'instant, le setup est très performant, très stable. Rien à redire, je pense que le petit ajustement l'a vraiment mis là où ce que je voulais. Jonathan, t'es-tu là? Oui. J'ai mis la track bar à 7.25 à droite. 6.5, c'était trop bas. Ouais, il est vraiment lousse en entrée. Au bout d'une dizaine de tours, il faut vraiment que je lève le pied en rentrant, sinon c'est pas chauffable. Mais je sers à long run, j'ai vraiment de la misère à la sortie, je monte au mur. Si tu ouvres là en entrée, baisse là du côté gauche un petit peu. Mets là à 7.5 environ. Ben, si t'as une ligne optimale, ça va, mais dès que tu commences à la jouer un petit peu dans le trafic, là, ça devient dur. Ça peut te mettre plus à l'aise. 7.5 à gauche, ça devrait t'aider. Moi, j'ai encore viré tête, sorti de la 2, ça m'inquiète un petit peu. Le setup semblait bon, là, mais. J'ai vraiment eu le même diagnostic. On va voir ce que ça dit dans les prochains tours. Hein. Ça va vraiment perdre beaucoup de vitesse. Colin, are you getting tight coming off the corner or what? 3 and 4 is pretty good. 1 just lifting a little bit. Ça commence à glisser dans le 3-4. Donc c'est vraiment l'opposé de ce qu'on avait. On est très tight dans la 1-2, puis on glisse dans le 3-4. Donc ça va être à surveiller, parce que plus j'essaie de lousser le 1-2, plus je vais rempirer le 3-4. Donc ça, c'est la beauté du vent dans le simulateur qui va rendre la piste bipolaire, comme on l'appelle. Donc d'un coin, on va être sous-vireux, de l'autre, on va être sur-vireux. D'ailleurs, le nez m'a piqué ici. C'était pas sécuritaire. Pour trouver ça safe. Une autre des affaires, je vais juste vérifier. Malheureusement, je peux pas aller voir à l'instant. Il va falloir que je fasse une pause. Ouais, il me reste combien de temps? Oui. On est déjà rendu à Calif. J'ai pas essayé à Calif. Combien de tapes que je vais mettre pour la qualif, ça c'est une très bonne question. Juste m'assurer que tout est en ordre au niveau du stream. Tout me semblait bien. Ça c'est beau, je peux fermer ça. Tout me semble beau, je vois rien de... Monsieur Hébert, comment il va? Je viens de voir le chat encore. Malheureusement, mon cellulaire est juste activé pendant 10 minutes. Je suis pas capable de l'activer plus que ça. Donc, Monsieur Hébert, ça fait plaisir de vous en voir. Très apprécié votre présence. De grand retour. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas fait un petit stream en direct comme ça. Donc, on va faire notre possible. Donc, on va mettre le tape. Je dirais 84% qu'on va être conservateur. Là, je vais essayer de faire un bon temps. C'est la première fois que j'ai vérifié. Puis tout est correct. Donc, comme on peut voir, tous les temps du top 10, on est tous dans le même 2 dixièmes. Même. L'ordinateur est branché là-dessus.
Tout le monde, tous les pilotes, les 22 pilotes non, qui sont là ce soir roulent dans une demi-seconde. Ça va être très serré ce soir. Vraiment, la position en piste va être très importante. Celui qui va faire une erreur va perdre 5-6 positions. Ça va lui prendre beaucoup de temps pour regagner ces positions-là. Donc, ça vous dérange pas. Je vais juste garder ma concentration ici. Je parlerai pas beaucoup pendant le tour de qualif. Je vais vraiment y aller au fond. En avant-droite, puis 900 en arrière-droite. Qu'est-ce que j'entends? Merci. J'étais pas du temps. Au premier tour, on va le faire en haut. On va aller chercher le plus de vitesse possible pour le deuxième. C'est vraiment une piste de momentum. On va construire ce momentum-là pour le deuxième tour. C'est proche du mur à mon goût, mais ça a passé. Jeter un œil à la température, ça semble beau. Je vais le faire en bas. Okay. J'ai pas essayé, je l'ai pas pratiqué, je prendrai pas de chance de rouler en haut. Donc c'est parti. Ça chauffe vite, c'est inquiétant. J'espère que le moteur va toffer tout le tour. 1-2, c'est beau. Haut dans le 3-4, on aura une belle sortie. Faut que le moteur tienne. Ah non! Maudit. On va le finir le tour pareil. Yash. Ah! Mal de cœur. On va partir en arrière. Ah! Ça m'écœure. Ah! Ça m'écœure. Il en manquait pas gros, ça aurait été un très beau tour. Ah, c'est décevant. Ok, c'est pas grave. On va prendre ça relax. La course est longue, on a 150 tours à faire. Ça va être un beau petit défi. C'est rare que je pars en arrière. Donc, on va être prudent au début, ça va être bien important. C'est mon premier tour qui a compté, donc ça, ça me donne une chance. Ceux qui n'auront pas réussi à poster de tour vont partir derrière moi, mais idéalement, hein, tous ceux qui sont dans le chase sont vraiment devant moi. Donc, je vais remarquer qui est là ce soir. Comme vous avez vu dans la vidéo promo, mais on va faire un petit survol. Monsieur Labbé dans le chase. Monsieur Ferland. Monsieur Baudouin. Dans le chase aussi. Monsieur McNichol. Mercier, H, de Richer, Demers. Tous des gars dans le chase. Ensuite, Monsieur Figlin devant moi. Moi-même. Et Monsieur Marcotte. Il va manquer Monsieur Schweikert ce soir qui sera pas là. J'arrête pas de dire monsieur. C'est juste un mauvais réflexe. Réflexe de politesse, on va le dire comme ça. Merci Richard, tu as une très belle fin de soirée toi aussi. Merci d'être passé. On va faire notre possible. Évidemment, le stream en ce moment, tout a l'air beau. J'ai vérifié toutes les affaires. Rien qui me saute aux yeux de mauvais. Les sons semblent bons. Monsieur Jeffrey, la forme? Comment est-ce qu'il va? Longtemps qu'on ne s'est pas jasé. Donc, on va avoir le Drivers Meeting. Donc, Martin qui va faire le. Il va vous résumer en fond les règles de la soirée, autant en anglais qu'en français. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas notre ligue, ça va être une belle façon d'apprendre quelles sont les petites technicalités qu'on a à obéir. Dans quelques minutes, les pilotes vont aussi commenter sur ce qui s'est passé en qualif. Malheureusement, je vais le voir. Avouer ma faute, avouer j'ai pété un moteur, donc on va partir à l'arrière. Ça m'inquiète pas beaucoup, dans le sens que je vais avoir l'opportunité de remonter relativement rapidement. Comme j'ai dit, tout le monde roule dans le même pace, tout le monde a les temps très similaires. Donc ça va être vraiment d'être prudent, d'éviter les accidents, d'éviter le trouble. C'est vraiment là qu'on va aller gagner du temps. Parce que vraiment, tous les gars du chase sont en avant. Ça va être là que ça va se passer, d'après moi. Donc, on va être prudent. La course est très longue, 150 tours. T'es pas ennuyé, mon Geoffrey, voyons. Mais si je me suis ennuyé. Donc, on va en revenir à ce qu'on disait.
on n'oubliera pas d'aller remettre le tape à 50. Je vais le partir à 50, quitte à le monter un petit peu. 52, je trouvais ça vraiment trop chaud. D'ailleurs, la raison pourquoi j'ai mis ça à 84, parce qu'on le mettait à 52. La track bar. Qu'est-ce que je fais avec? Ça me semblait bon, 7,5. Je vais lui en donner juste un petit coup encore, mais j'y toucherai plus. Puis on ajustera sur les pressions en course. Ceux qu'en course, je vais chercher à monter mes pneus droites. English, and I'll do the second part in French. OK, les amis, soyez attentifs. Quand est-ce que je descends? Très bonne question. Avec tous les projets que j'ai, je vais t'avouer que j'ai pas vraiment le temps de regarder à ça. Je sais que mes parents voulaient monter fin de semaine de Pâques, mais moi, je travaillais en fou, parce que ça sera pas réaliste. Juste laisser... Au pire, je vais laisser Martin l'expliquer en français, ça va être le meilleur pour le stream. It's the chase. Something I want to address really, really important right off the bat. Last week, we had the number 4 car internationally wrecking the 98 car. The 98 car is a chaser. Respect the chase. The guys are in the chase. They work hard to be there. Some of these guys work hours to make setups to make sure they perform well. Ouais, ça c'est la belle façon de le résumer. C'est, pour l'instant, je suis assez content avec ça. C'est stable. C'est assez haut et c'est bas. Mais avec le projet qui s'en vient cet été, par exemple, ça va être vraiment excitant. Puis je m'attends que ça va me donner des opportunités d'aller explorer d'autres domaines. Ça va vraiment être intéressant. Top 10, these guys are working hard to be there in the chase. Top 12, let them be. Si tu demandes quoi je regarde en bas, c'est parce que j'ai pas le choix, vu que j'ai mon simulateur sur 3 écrans, j'ai pas le chat, fait que je me dépanne avec mon téléphone pour le chat, c'est un petit peu... Projet, oui, The Banking! The Banking, le projet, j'en ai parlé tantôt, je sais pas si t'es arrivé encore, mais le 2 mai, premier épisode, en ligne, donc ça va être bien intéressant. Le 21 mai, on s'en va à Mossport en Ontario pour faire la couverture de la première course de la saison du Pinties. Toute la saison, on va faire la couverture. On a M. Adam Ross qui est avec nous autres ce soir qui va nous faire des chroniques. M. Colin Livingston, propriétaire de l'équipe de Tagliani Other Sports, qui va aussi nous faire des chroniques. Et M. All By Myself, Alex Labbé, qui a sa course samedi en Xfinity. J'en avais parlé ça aussi, pour ceux qui n'étaient pas arrivés encore. Donc, je vais laisser Martin expliquer le... Les chasers, il y en a 12, on les respecte, ces gars-là, ça se bataille, pratique, sont clean entre eux autres. Les gars pratiquent beaucoup, ils travaillent sur leur setup, respectez ça, ils méritent d'être là, ils ont travaillé fort. Si vous décidez, pour gagner des positions, d'aller au pit 32 heures quand tout le monde en prend 4, vous ramassez en avant avec eux autres, soyez bien sûr que vous êtes en contrôle de votre voiture, parce que c'est sûr que je vais avoir un œil sur vous autres. En parlant de chaser, pourquoi qu'on parle de ça? C'est parce que la semaine passée, la voiture numéro 4 a sorti intentionnellement la voiture 98 qui était un chaser et la voiture numéro 4 n'est pas présente avec nous ce soir. Il a été suspendu pour une course d'approbation pour 3 semaines. On prend ça très au sérieux ici. Donc, je vous le dis encore une fois, respectez les chasers parce que je vais vous checker aller. On n'a pas beaucoup de troubles avec ça d'habitude, là, mais des fois... Il faut faire attention. Il faut dire aussi qu'on était à Martinsville pour une track facile la semaine dernière. Pour ce qui est des règlements de la course, ça n'a pas changé. Le premier départ est sur le vert. Après ça, c'est au choix du meneur. Alors, on n'a pas le droit de changer de ligne et de faire de dépassement vers le start-finish line à toutes ces relances-là. Dans les puits, vous le savez, vous restez à droite sur le long du mur et vous n'avez pas le droit de descendre à votre pit stall avant 2 ou 3. Donnez-vous de la place. Prenez votre temps, c'est une longue course, on ne va pas tourner ce jour, une très bonne moyenne ici à date, surtout sur des pistes d'un mille et demi, ça devrait être assez simple. Vous allez voir que les coins sont différents à cause du soleil et des problèmes de température dans chaque coin. Donc, si vous passez René tout le long, le pied dans le fond pendant 20 tours, oubliez ça, ça n'arrivera pas. Donc, gérez bien vos pneus et votre voiture, ça devrait bien aller. Bonne chance, c'est le deuxième round dans le chase. Et amusez-vous bien. Hey,
Belle Calife, Alex Labbé, Claude de Ferland, puis André de Baudouin. Ah ben merci. Et Fred de Moreau. C'est beau les gars, c'est beau top 5. Yes, merci. Ouais, c'est beau Alex, c'est beau André. Moi, yes. moi je vous ai rabattu, mais j'ai oublié de mettre mon grité. Et moi, il sautait dans 4. T'as quand même oui, de... PJJ 84. En 4e. Ben 81, j'ai sauté 100 pieds avant. Hey, 81, je pensais que j'étais correct en masse. Ok, là j'ai le chat. Cette semaine, on prend le set du chauffeur au lieu de prendre le setup du crew chief, ça va plus vite. Ah yes, ça marche. Parfait. Alex, t'as fait ce temps-là, pis t'as. Donc si je fais ça, ça marche aussi. Ah non, j'avais un esti de bon taux, j'ai envoyé le vidéo à André. Oh, moi j'avais un 94. Excellent. J'ai sauté à rentrer dans le premier petit coin, le petit trieval. Ouais, ouais. Juste avant ça. Bah ben, ouais, t'as un bon setup. Parfait, bon! Donc, ben important, on commence la course, on va se checker le TP Bo 50, c'est parfait. Ça va sur la grille. Une autre chose que je dis ben important, ceux qui sont là, si vous voulez rester, je l'invite fortement à rester parce qu'après la course, on va avoir le premier DrAPoW's Race Time. Petite chance pour vous de parier, je viens de mettre les trophées puis tout ça dans le chat. C'est votre occasion de venir gambler un petit peu vos trophées. On va avoir une petite course de 6 voitures par après. Vous allez être capable de gager sur la voiture que vous voulez. Vous allez croire que vous croyez que vous avez gagné. On va revenir là-dessus en détail. Là. Je sais pas c'est quoi ce son-là, mais ça m'agresse pas mal. Ok. Enlève-moi de là, là. Si mon clavier est encore fucké. Mais c'est agressant ça. Ok. Il reste coincé, je sais pas pourquoi. Donc on a 150 tours à faire vraiment. Patience va être le mot d'ordre. On va vraiment prendre notre temps. On n'essayera pas de faire des moves kamikaze en commençant. On a beaucoup de chemin à faire. On part en arrière, mais je suis confiant qu'on a une bonne voiture pour aller performer en avant. Il y a de quoi qui marche pas. Faire attention le dernier virage, on va essayer. Quoi qui marche pas avec mon ordre. Les deux coins sont quand même tricky un petit peu sur la long run. Je dirais que le 1 et le 2 c'est vraiment plus sous-vireux, tandis que le 3 et 4 tendance à glisser un petit peu vers le mur. Donc un petit peu de sous-virage, j'ai essayé d'équilibrer ça avec la trackbar en arrière le plus possible. Donc un petit peu comme j'avais mentionné, si vous vous rendez compte que je parle pas beaucoup pendant la course, j'essaie de garder concentré. Puis le chat c'est vraiment le dépannage sur mon cellulaire ce soir, puis mon cellulaire malheureusement reste pas allumé plus que 10 minutes, fait que ça se peut que je le perde si on est longtemps sur le verbe, j'aurai pas le temps de le rechercher moi-même, fait que je vais faire mon possible. Ouais, mais fais un tour là, parce que tu vas faire pogner un paquet de blacks. T'auras pas le choix de prendre le départ là. Ouais. Donc on prend notre temps. Okay. Bonne course les gars! Garde ta ligne à bout devrait être normal, c'est bon. Ah, oh, je vais essayer. Mais là, c'est pas pire, ça comme c'est moins pire un petit peu. Donc, le départ initial est sur le drapeau vert. On est prudent, ça check up, ça check. Wouhou! Sauver ma course, c'est ça? Ouh, ça c'est assez ouf! Ouf. On n'a pas de fast repair, hein, fait que si ça cogne, ça cogne. Ouh, ok. On vient de perdre un petit peu le pace, par exemple. On va prendre notre temps pour aller les chercher. On a de l'air frais, on n'est pas pressé. La soirée est jeune. Ouais, c'est bon, ça saute au bout. Je sais pas ce qui se passe. Ceux qui sont intéressés, en bas à gauche. J'ai rien vu dans le bac, là, mon truc. En bas à gauche, vous voyez la ligne verte, ça c'est ma pédale à gaz. Donc si vous voyez baisser comme ça, c'est parce que je lève le pied, le volant. Donc vous voyez un petit peu qu'est-ce que je fais avec mes inputs. Belle petite run sur le 20 ici, on va passer en bas. Ça devrait passer clean. Ok, c'est bas. Même chose avec le 111, on va prendre notre temps. Lui, il me donne pas la ligne, mais... C'est pas grave, on n'est pas pressé, on a du rythme. On a de la vitesse, on le voit. On a des grosses runs sur les autres pilotes, donc faut être bien prudent avec ça. On va rester prudent, on va garder ça au large. C'est Baudouin qui a des difficultés.
mentionné en chat précédemment. Donc on va se garder alerte. C'est un chaser, donc évidemment pour moi c'est un avantage. C'est triste pour lui, c'est une valeur. C'est d'avoir des erreurs, des problèmes d'informatique pendant une course, c'est bien plate. Soit dit jamais ça à personne. Au niveau du chase, c'est quelque chose qui va nous aider. J'avais passé les points pour le chase plus tôt dans le stream. J'ai malheureusement pas la chance de les repasser en ce moment, mais j'étais à un point devant la dernière position qui donne accès à la ronde suivante. Avec deux courses à faire dans cette ronde-ci, donc il faudrait être bien prudent. Prendre notre temps. J'aime pas bien ça passer dans le trioval comme ça, ça m'agane. Ça m'agane, c'est un risque que je prends là, mais on va s'en contenter. On prend du rythme tranquillement, pas vite. On s'assure de rester dans le trafic, de surveiller devant qu'est-ce qui se passe pour être sûr d'être à l'affût s'il y a un accident qui se produit. On a l'air bien parti pour une longue run. Tout le monde est assez single file, tout le monde est en file indienne. Pas beaucoup de side by side, pas beaucoup de batailles en ce moment. On est très conservateur aussi, on lève le pied beaucoup. Laisse les gars devant user leurs pneus en masse. On n'a pas besoin de se battre avec la voiture plus qu'il faut. Très stable. On a une belle petite run 77 ici, on va descendre en bas. Se fait squeezer un petit peu, ça va passer pareil. On peut passer tout le monde. On va garder ça en bas le plus possible. Ouais, il fallait des bons setups. Oh, course est jeune. Toi, Eric, ça va-tu là? Ouais, je suis parti en arrière parce que j'ai sauté mon moteur en calif. Ouais, mais ouais, j'ai une petite panique au start, mais ça va bien. ça a break checké pas mal en bas. C'est calé, je pense qu'il est parti de travers. Puis dans mon miroir. Vous le reverrez sur le stream en direct. Bon, on va se concentrer un petit peu. J'ai M. Baudouin, il a de la difficulté aussi, c'est ça qui est jaseux, mais idéalement, on essaye de. Ça, c'est brillant, aussi. Mais c'est pas correct encore. Bon. C'est moins pire, c'est pas mon téléphone. Donc, on commence à rentrer dans un peu plus de trafic. On va être prudent. Oh, il y a un moteur sauté ici. On est prudent, on surveille, on garde les yeux ouverts. C'est où ça se passe, ça? Il y a beaucoup de circulation ici, c'est assez névralgique, j'aime pas beaucoup ça. J'aimerais mieux ça être dans l'air frais. On a pas une belle run ici, je veux pas passer en haut. On se garde de la place, ça commence à brasser beaucoup en avant, j'aime pas ça. Feeling que ça va cogner dans pas long. Et on veut pas être le gars qui se fait cogner, voilà! Ok. Bien éviter ça. Malheureusement, on a perdu beaucoup de momentum en devant donner un petit coup de frein ici, mais. Donc, c'est là, je pense qu'on va commencer à avoir un bon avantage. On a sauvé nos pneus en masse. On va pousser un petit peu plus que les autres gars devant. On va rester prudent, évidemment, il y a beaucoup de trafic, beaucoup de circulation. On ne veut pas être impliqué dans un accident pour rien aussitôt dans la course. On a un bon momentum, par exemple, je suis vraiment confiant qu'on a une bonne voiture. Il faut juste être patient, attendre nos opportunités. Évidemment, watch out, il y en a déjà un qui est dans le mur en haut. Et c'est M. Sixteen, un autre chaser qui a des difficultés, ça c'est... Encore une fois, bon pour nous, pas bon pour les... Ok, le jaune vient de sortir. Ça a parti à spin en avant. Watch out sur le front, watch out sur le front. Ouf. Ok, on a évité ce trouble. Bonsoir, travail de son corps, mais ça va donner un X pareil. Je sais pas si je fais des dommages. C'est arrivé. Fred m'a passé en dedans, j'ai repliqué en bas, il est venu là, c'est ma colle de son à en avant. Ouf. La brosse en avant. Ça c'est intéressant pour moi ça, dans le sens que les gars... Check up force on the back, check up hard on the back. Je vais aller voir, elle a pas de la cipée. Faut que tu nous dépasses, Alex. Ouais, c'est base car. Ah, moi aussi.
Ouais. Donc on va prendre 4 tailleurs, ça c'est sûr et certain. On remet du gaz. On touchera pas au tape. Je pense qu'on a. On a pas trop brassé ça. Idéalement, on va aller au puits le plus rapidement possible. Je pense que le groupe. Le groupe a pas suivi. Donc là, pour une fois dans ma vie que j'ai pas un pit en. J'ai pas un pit en avant, faut que je me surveille étroitement. D'habitude, je suis le temps des premiers au bout, mais là, à ce moment-là. Je Louis aujourd'hui pour qu'il embarque sur les racing. Ah ouais? Pour faire je suis dans premier du bord. Niveau des pneumatiques, c'est bon. L'usure est égale, ça c'est excellent. Ça, je sais pas si vous voyez, le 233 à droite, 233 en arrière, en avant. Ça c'est excellent. C'est signe que la voiture est très stable. Elle n'a pas de sous-virage ou de sur-virage extrême. On n'aura pas à faire de correction pour l'instant. On va juste garder le rythme. Ouais. Si je peux pogner le drapeau noir d'un puits, ce serait bien le fun. J'ai peur aussi, Jonathan. Il doit être magané un peu certain, en fait. Ça doit être gagné pas mal. Il doit avoir une tapure après. Il est fini. Ça a pété le feu. Ouais, c'est quoi qui arrive dans ce temps-là, Manix, quand on sort demain? Ben, c'est parce que normalement, dans le pit, en dehors des pitbox, on devrait se toucher. Et tout ça, on a passé au travers d'un de l'autre. Ah, des fois, je comprends pas des fois. Là. C'est, il va falloir que je m'informe là-dessus dans le pit, là, quand c'est transparent, et, quand c'est le pit. Ben, c'est ça, parce que j'ai failli ramasser quand même, mais là, j'ai ralenti. Quand j'ai vu Jonathan, lui, il a passé au travers de moi. J'ai déjà la réponse, je veux savoir, mon ami. Je vais te la dire direct là. Si t'es dans ton pit box, puis tu rentres dans le pit box de l'autre gars, puis vous êtes ensemble quand vous sortez, jusqu'à la sortie du pétrole, pas de danger. Ok, mais des fois, mettons, il y en a qui te sortent direct dans la face, c'est ça que je faisais beau. Si, je sais pas, c'est drôle, ouais. Ça, quoi. Je pensais que ça aurait touché des fois, puis ça touchait pas. Puis... On était overlappé, moi, puis Jonathan, bumper à bumper, à partir du pitbox. Ça pourrait expliquer ça. Donc, hein? On est déjà remonté à 14e, 5 positions de prix en 15 tours. Donc, encore là, la course est très jeune. On va être autour de voitures un peu plus rapides. Donc, ça met sur le pédale, puis l'autre sort de son pitbox. On est encore là, bien prudent. Fait que là, ta température, mon ami, t'as la Mustang de plus un peu par en dedans. Pas grand chose, des fois, là. Ah oh, oui, mais checker ça. Je pense que, ben, 3 secondes, là, mais c'est jour. C'est un hamet. Moi, Alex, c'est en arrière, je me regardais, c'est où? Non, t'as de l'air qu'un. Donc, Alex et Claude qui sembleraient avoir du dommage, c'est bon pour moi, ça aussi. Les gars qui sont non, très compétitifs, si leur voiture est pas. Mais j'avais 7 secondes pareil, là. Ah, oh, 7 secondes, ça va être très très négligeable. Viens-tu t'entendre parler de Switch, moi? Je peux pas te dire pourquoi, là, mais lui il tournait comme une toupie, là, pis moi j'ai descendu en bas complètement, mais lui il a descendu, pis. Ça m'a donné un X, mais ça a comme pas cogné. Encore une fois, le chat, je vais essayer vraiment de me garder à jour. Si vous voulez me poser des questions pendant les drapeaux jaunes, c'est le meilleur temps, je peux vous le dire, là. Parce que pendant les drapeaux verts, là, faut vraiment que je regarde ce que je fais. Là. Mais, Don't text and drive, hein? Oh oui. Ils ont le même setup. Non, j'allais, ben moi depuis le début. Vraiment, je regarde ce que je fais. Justement, je roulais pas vite, ça a à peine frotté, ça ne mettait rien. Partir en haut, c'est un petit peu inquiétant. Ça va dépendre de la relance. On va être prudent, encore une fois, la course est jeune. Adam, I'm not going to really charge on this start. Oh, what did you say, Colin? I was telling Adam I'm not really going to charge on the start here, just to see how things shake out. Okay. And four. Be yeah, joke, I'm a couple rows behind you anyhow, Colin. I thought you were two back there for a second. Get ready, going green. Alright, on se concentre, ça va repartir. Alright, you guys, cabin, guys, tied up, come on. Choix du leader sur la relance, donc. Claude nous a fait un décompte, ça c'est bien apprécié. Évidemment, dans le début de course comme ça, c'est une bonne chose. Les gars, à la fin de la course, le feront pas parce qu'ils vont être un peu plus compétitifs, mais au début de la course, juste pour s'assurer que le départ soit smooth pour tout le monde, c'est une bonne chose à faire de mettre un petit décompte. Ouf, 98, il a coupé ça sec pas mal, c'est dangereux. Encore une fois, beaucoup de trafic, ça c'est pas rassurant, on va essayer d'être prudent. Notre voiture est très performante pour être capable d'avoir de la vitesse en haut comme ça. Merci. Ben le fun. Surveille, garde un œil bien en avant.
On va se faire jouer de tôt. Belle run du gars d'en bas, ça va coller ça. On devrait être en mesure de donner un petit poussé à 71. On devrait être clear en bas, excellent. On va essayer de pas le diver. J'ai levé le pied un petit peu, là, je voulais pas faire de move trop agressif pour rien. On est en ligne, on est correct. On va juste à surveiller la progression en avant. Sensiblement, la majorité du monde ont le même setup. Ça va être difficile d'avoir des gains particuliers. Si on devait avoir l'intérieur, parfait. Belle manœuvre ici, ça va être propre. Marco, vas-tu me laisser de la place? Ça devrait y aller. Oui, c'est bon ça. 2 en 1 dans le 3-4, c'est bon ça. Comment ça va de la vitesse? Restez prudent encore une fois. Les gars ont l'air à vaciller beaucoup. On dirait que le. Martin qui manque des tours à part de moi. Okay. Merci. Ouais, mais c'est ça, on peut m'enlever dans ça aussi. Pas besoin de. J'ai eu peur ici en donnant de l'accélération de run over Manix là-dessus. C'était serré. Je voulais pas donner trop de pression aussi. Mais comme je dis, la run est jeune, la course est jeune. Merci Martin. Donc on n'est pas obligé de faire de gros mouvements, mais déjà là on est passé de 14e à 8e en quelques tours, donc c'est bien intéressant. On a un bon rythme. On va essayer de garder ça. On dirait que les gars en avant vraiment ils ont un pace vraiment plus stable. C'est vraiment plus difficile d'avoir du gain. On va essayer là-dessus avec M. Spenard à l'extérieur. On passe en bas. Je suis au mur un petit peu, mais je pense que c'est mes pédales. Là. Donc, très belle run ici, on devrait aller chercher le 0-3 assez facilement. Encore une fois, beaucoup de gains. On voit que la bagarre en avant, c'est entre M. Labbé et M. Ferlap. On a une autre voiture qui s'implique, c'est le 93 de Bat-Mercier. On commence à aller rechercher ce groupe-là, c'est intéressant. Comme je l'ai dit, pendant la course, c'est sûr que je vais essayer de discuter le plus possible. Je vais avoir peut-être un petit ton de voix un petit peu monotone, mais vraiment, il faut que je garde ma concentration, je ne vais pas faire d'erreur. J'aurais vraiment aimé mieux partir le stream sur une course de saison régulière, mais les circonstances font qu'on est dans le chase, donc dans les séries éliminatoires de la saison, donc les points sont très importants ici, il faut être quand même prudent. Est-ce que j'aurai une run ici? Je ne penserai pas. Le 0-3 va quand même me donner de la place, ça c'est bien apprécié, du give and take. Une autre position d'acquise, on va essayer d'aller chercher le 82. 98 a l'air d'avoir un bon pace ce soir, ça va être intéressant de le suivre. Oh, on a un moteur sauté à l'avant, on va surveiller. On boucane beaucoup, on va être en bas j'imagine, oui. Voilà, tout en sécurité, on va surveiller. Oh, M. Livingston malheureusement. What happened there? Two guys were tussling in front of me. Somebody backed off. Didn't have anywhere to go. Got slammed up into the wall. Bien entendu, il vient d'arriver M. Livingston, malheureusement. M. Colin Livingston, propriétaire de Tagliani, copropriétaire et cofondateur de Tagliani Auto Sports, équipe de la série NASCAR Pintis. On a une grosse run du 98 ici. Fallait surveiller. Je pense que Jeff avait viré tête là-dessus. Il a sous-viré beaucoup. On a une aussi grosse run que ça. Le genre de choses que si je portais pas attention, j'aurais carrément rentré dedans, j'aurais pas surveillé mes choses. Dans ce cas-ci, j'ai eu le temps de réagir. Donc on est de retour dans bienvenue dans le top 5. Mon nuit est un petit peu chaude. Je vais le garder comme ça. Mais je vais vraiment jeter un œil dessus. On a roulé beaucoup dans le trafic, donc. Ça nuit au niveau de l'huile pas mal. C'est là qu'on va voir qui a été trop agressif sur leur setup. On commence à rentrer dans la long run. Encore un excellent pace. Callum est un petit peu plus tête là-dessus.
Gênez-vous pas dans le chat si vous avez des questions. Évidemment, pendant les drapeaux verts, je vais être un petit peu moins... un petit peu moins surveiller le chat que sur les jaunes. Sur les jaunes, c'est vraiment l'occasion. Si vous avez des questions à poser sur, sur le simulateur ou sur ce qui se passe, ça va me faire plaisir de vous répondre. Pour le moment, on est de retour dans le top 5, parti derrière. Parti en 18e, on est déjà dans le top 5 après 30 tours. Donc, très bonne performance pour l'instant. On va se concentrer pour aller chercher d'autres positions. Le rythme pour l'instant à l'avant a l'air très stable, très, très similaire pour tout le monde. Et sur la longue run, je crois qu'on va avoir du gain à aller chercher parce qu'on était très conservateur avec nos pneus au début. On n'a pas trop poussé fort. Puis, prochain arrêt au puits, on va pouvoir voir si on est capable d'ajuster la voiture un petit peu parce qu'on a. On était très stable à la première run, mais on n'a vraiment pas poussé fort. On n'a pas été agressif du tout. Tandis que là, je sens que la voiture est un petit peu plus souvireuse. On pousse un peu plus fort. Donc ça va être là que les petits ajustements vont faire du bien. On va nous permettre de plus être en contrôle. Chercher une meilleure performance au niveau de la voiture. Déjà là, je la sens glisser beaucoup. Faut être prudent. Il reste encore un bon 13 tours à... au réservoir d'essence. On va être, jeter un œil à ça aussi. On commence à avoir des gains sur le 82. On va être en mesure d'aller le chercher d'ici un tour ou deux. Pat Peter. Ouais, là, ouais, perdu de pace pas mal. Ah, ouais, ouais. On va run ici. Ce sera pas suffisant pour le 3, j'imagine, mais on se rapproche. On signale fortement nos intentions. On devrait avoir un bon petit run ici assez bientôt. Callum a des très bons setups depuis une couple de semaines. C'est bien intéressant. Once again, if anyone is in here listening and doesn't understand the word, I am very open to speaking in English. If you have questions, feel free to ask in English. I will gladly answer. And I'll try to translate the key elements of what I'm saying in English as much as I can. Like, as of now, when I'm looking at cars very stable on the early stages of the run, it was very balanced and very neutral on the first pit stop. Although I did not push it as hard as I am, and now I'm noticing it's really bipolar once again. Gets a little tight out of the two, and it's sliding loose out of four. So it's going to be a little bit more difficult to handle what kind of adjustments I'll be able to make on that one on the next pit stop. I believe I might just let it stay the way it is and just drive it that way, because I have a lot of pace. Trying to let you buy her. Alright. Thank you. Okay, sorry about that earlier. I was trying to find a way to move out of your way. No worries. The wrong channel, but either way. Meh. Ah, t'as planté pour André dans l'homme d'autre, hein? Bah ouais, il y a pas eu de jaune ici. C'est sûr qu'il y avait un jaune. Je finis que M. Labbé et M. Ferland, ça va être très difficile d'aller les chercher. Ils ont une excellente pace, autant sur la longue run. Je pense vraiment sentir la voiture un peu plus délicate à conduire. Donc, il nous reste 5 tours d'essence. Je vais juste voir mon dernier temps autour, qu'est-ce que ça va dire. On en fait 26 sur une run? Ah, ça va être vite, je pensais pas qu'on était rendu loin que ça. Oui, Eric, t'es rendu où? 4. Ah, pas le vrai. Ça fait longtemps pour la vie, t'as pas regardé sur le vert. Il est bon, grand de même. Bon, ça va bien. 29-1, on est déjà à une seconde de fall off. On va surveiller l'essence, 4 tours. Ah, mon. T'as dit que ma. Pourquoi ça vient de ma. Aïe, c'est tout.
On n'oubliera pas que j'ai un pit stall au début de la ligne, donc très important. Très important de surveiller ça, de ne pas faire l'erreur de rentrer, de penser qu'on est à l'eau de bout. La voiture est glissante un petit peu, délicate à conduire. Déjà, les pilotes qui font des arrêts au puits, on va songer à rentrer très prochainement. Donc je crois que ça va être le prochain tour, on va le sauver. On essaie de faire le meilleur arrêt au puits possible, on fera pas d'ajustement. La voiture est très bonne. Il manque un petit peu de vitesse, mais on va consoler avec la stratégie au puits. 97 pitting this time. 111 pitting. Pites-tu ce tour-là, toi, Sylvain? Non, André, je vais rentrer, moi, avec. OK. Très belle arrêt au puits. Bon, maintenant qu'on regarde la vitesse, on sera sûr de vérifier que notre box est proche. On va pas le manquer. Un petit peu lent sur l'entrée. On va survivre. 5 secondes optionnelles parce que j'ai checké le chat comme un tata. On est lousse un petit peu. Intéressant. On dirait qu'on va être capable de jouer avec ça un petit peu en conséquence, ça va être intéressant. On repart au fond. On surveille la vitesse. Et on est reparti. 97 pitting out. Attention, pitting, j'ai échappé. Me and Kevin are having this little friendly competition here. That's why I booed him. Merci qu'il a eu la difficulté, son arrêt au puits. Vraiment, on a cherché beaucoup sur lui. Vas-y, Manic, en bas. Thank you. Thank you. Des fois, on a le TeamSpeak, on a le channel d'iRacing, puis c'est pas tout le monde qui sont sur le même channel sur TeamSpeak. Donc c'est pour ça que faut se servir des deux canaux, des fois on s'en rend pas compte. 03, je m'en souviens plus, qui était pas sur notre canal. Des dommages, mais faut pas venir à bout de tout réparer. On lui parle d'en face, mais ça me fait moins vite que
très stable la voiture. Ouf, très agréable à conduire. Ouais, un petit peu. La broche, elle fait pas trop pire. Qui ça? Le sound. Excellent. On a des gains sur le 43 Claude dans la 3-4, mais on perd dans la 1-2. On garde ça en tête. On a ajusté quoi que ce soit, ça va être dans la 1-2. Il va falloir aller chercher d'autres choses. On va pouvoir consolider ici, malheureusement. Ça. Il déplaît un petit peu, mais j'ai pas le choix. Il a fait ça le mur au début. Ah non, mais si, il fait dans l'argent de la drague, il en a maintenu, il va dans le lab. C'est quoi tes temps d'appui à peu près là? 28.5, 28.4. Oh shit! Pas te l'échapper direct devant moi. Même setup que Fred. C'est pas de short run, vas-y. Ouais. Yep, mais ça tombe juste. Prochaine, Alex. Yes. Voulez-vous en haut ou en bas? Regarde en bas. Toi, Manic, ça va-tu? Je survis. Je commence à m'arracher un peu. Et au peu, on va redriver mon affaire.
Vraiment lousse ici, c'était pas ça, c'était pas le fun. C'était pas le fun. Reste du tour là, mais on va se surveiller là, ça c'était vraiment lousse. J'ai peur de l'échapper. Hein. J'entends les pneus glisser là, c'est pas. Ça c'est pas bon signe. Va vraiment falloir que je lève plus le pied que ça. Petit ajustement, je vais faire, je vais le tighter un petit peu en sortant. C'est vraiment mineur pour que ça l'affecte juste la fin de la run. Parce qu'en ce moment, j'ai vraiment de la difficulté. C'est une grosse descente. Autant l'entrée que la sortie, c'est. Ouf! C'est pas facile. Je vais essayer de checker mes temps. Température était combien? Oh! Ok, on est stressé un petit peu là. 254, c'est pas chaud. Then again, c'est chaud parce que dans les puits, on a eu le temps de rafraîchir. Je pense que je vais monter mes pressions à droite. Ah, je sais pas. Attention Alex, pas quitter, fait que... 97 pitting in, 97 genre. En haut. T'as pas te nuire, mais... Ah, on va te dire. Chanceux, essayer de taper vraiment lousse. Puis là, rien que pour mal faire, il l'a pas eu. Pas grave. Pas fini. Non, mais là, là. 97 pitting out. Ouais, ça fait 3-4 affaires qui arrivent, mais il n'y a pas de jaune. Chris de Flame, même gaz. Martin. Oui, de Labbé, il y a ce qui a payé le Flagman encore. T'es un esti de Labbé de marbre. Baudouin. Oh, Jeff Figlin déconnecté pour le chase, ça c'est gros. C'est gros pour le chase. Ça doit être ta main aussi qui était pas le Flagman. God, 15 secondes, Mac et moi. Bon, c'est l'autre bord du bord, madame. C'est toi, j'ai vu l'autre bord? Eh oui. T'es deuxième, Claude? Ouais.
watch out in the back. Oups, là, ils vont rentrer en sortant. Non, même pas. Ah ben tabarnak. Il y avait plus de compte, mais si je savais pas il était où. Compte. Ah fuck. Je peux passer en bas, Manix. Ouais. Est-ce que tu fais un débat de cuisine ou de manquer de compte? Ah ouais? Oh god. Ah, il y a une compte à aller essayer de chercher une compte que je bring. Ah. Ça m'a dit les deux, vous avez manqué votre pit là? Ouais, les deux, on a un 15 secondes. Pleure pas, Oh, je pleure pas! Oh non, je vais pas appliquer ça. C'est ça que je me dis. Ah, ça m'a fucké parce qu'en plus, gros, là, il a dit que là, il y avait un spin, tu sais, que c'est ça attraque, que c'est pas ça attraque, qu'il n'y avait pas de compte, il était mêlé. Ah, mais il y avait quoi dans le backstretch quand ça part, hein? Non, t'as le compte. Ah, c'est le back, je l'ai vu, mais c'était en bas sur les brunes, fait que c'est ça qu'il y a pas de jaune. Un petit peu plus tard que la voiture, c'était à prévoir, mais justement, je suis plus conservateur au début pour avoir plus de chance à la fin de la run. Donc, je suis très conservateur sur mes pneus en ce moment. Je vais aller chercher le lead. Je profite de l'erreur à Alex et Claude sur l'erreur au puits, mais je me doute qu'ils vont avoir la chance d'en revenir. La course est jeune. C'est gagné? Ça s'est replacé, hein? Ouf! Températures sont belles, tout va bien. Je perds un petit peu de pace par rapport au gars derrière, mais justement, vu que je suis conservateur, je pense que je vais aller la chercher plus tard dans le run. C'est pas. Je suis pas stressé. Un petit peu de trafic à travailler, maintenant ça va venir occuper. Hein. Je peux pas jaser beaucoup depuis tantôt, j'ai même pas rallumé mon chat. Vous m'excuserez si j'ai manqué quelque chose. Les circonstances. Je pense que ça va être compréhensible. Ah, je suis même pas capable de le rallumer. C'est moins le fun un petit peu d'avoir à lever le pied pour ça, mais j'ai pas le choix. Très bon rythme, on regarde sur les gars derrière. On reste concentré. C'est encore beaucoup de tours à faire.
c'est tête, c'est tête, c'est tête. Fiouf. Bien récupéré. Ça va être un petit peu plus doux dans l'un d'eux. Bah, ben, j'avais vraiment sauvé mes pneus. Hein. Je trouve ça un petit peu dommage que. Une setup réagisse comme ça. Sachant que 3-4 est encore sans glissade. Ceux que je suis dans le draft aussi, il faut que je prenne ça en considération. Merci. Attends, au moins, il apporte les autres. Garde un œil là-dessus, c'est 3 de large, ça en avant, j'ai pas aimé ça. Merci beaucoup. Très belle run jusqu'à ce moment. On va vérifier combien de tours de yard il me reste. Encore 9 tours. Cette tank là, je pense que j'aurais pas le choix de la faire au complet. Dans le sens que je vais être très juste sur l'essence. Annick, tu t'entends pas, ça va-tu? Concentré. Ok. Alex, if I want to loosen the car up, I go higher on the left rear and negative on the right rear, correct? That for? I've adjusted every pit stop and I just keep getting tighter and tighter. And negative on the right, positive on the left. Une frousse ici. Ça va pas coûter de temps, mais c'est épeurant. Oh, watch out, Adam, I'm there. Très lousse. Visiblement, il va falloir que j'ajoute encore un petit peu. Ouais. Je pense que ça va être bénéficiaire. Ouais, ça va être bon. Ça va être bon. Code 18. Je veux l'ajuster là, mais trop c'est comme pas assez. C'est moi, il faut qu'il s'ajuste.
J'ai hâte que le pit arrive. Regarde devant toi, il a trouvé ton numéro dans la porte. 3-4 là, est quelque chose. Speed, Eric, ok? Fais-tu que... On s'en revient. Pas celui-là, mais le prochain, mon Baudouin, ça va être bon, ça. Bon, de toute façon, je reste ici, là. Oh, tu vas me voir être bien en bas dans 3, tu vas avoir la place en masse. Il manque un tour, fait que, on va rester avec vous pour voir un habitant à l'arrêt de tour. Ninety-seven pitting this time. 97 pit. 48 pitting. 08 pitting. Excellent. It's a bit trop de break, mais non, tout est bien. Hey, sorry, I didn't mean to get into you there. You just stopped all of a sudden. Yeah, I ran out of fuel. Oui, la baie, ça va-tu? Oh, ouais, va bien, c'est mon champ. Ouais, moi aussi, va bien. 97 pitting out. On overdrive pas trop. Ça me donne rien. J'essaie de faire un bon pace, c'est tout. Ça va pas. Yes. J'avais été avec d'autres là, j'aurais été capable de me battre un peu. Mais je pense que je vais être obligé de changer quelque chose. Je sais pas si c'est ma carte vidéo qui commence à me arracher. Que même là, l'image est pas belle. Je vais en bas, texting. Le bizarre, c'est que j'ai des bons frame rate, mais. T'as pas André. Yes. On s'en va, Sylvain. Pas ça, même run que toi, mais c'est pas ça. Je laisse le bois dans 1. La bière rentre au but. Yes. Six car bidding. Six car bidding. La voiture va bien. Le petit ajustement a encore fait du bien. Ça va être à la longue run qu'on va le voir là, mais. Heureusement la pression est revenue vers moi. Là. Alex il a récupéré de sa pénalité puis il est en feu. Là.
tabarnak. Et mon frère? Là, il sortit des pieds en avant de moi, là, puis ça va pas s'y aller en haut, en bas. Je l'ai frappé, je l'ai tout, tout à 200 $. Pas comment, là, ben. Poignez le mur, là. Ah, oh, tabarnak! Pénalité, qu'est-ce que tu veux? Ça rentre en crise, hein? Les gars, vous allez avoir chaud. 97, ça vaut vraiment la peine. Donc, ouais. On va rentrer au Toast. Burn, il a sauvé du temps, son équipe est passée vite. C'est vrai qu'il est dommage que j'ai là, il n'a pas trouvé grand chose. Ça avance. Embarqué ou bien t'es encore dans le pit? Ah non, j'ai réembarqué là, mais ça avance pas fort. Non? Ouais, tu sortes sur le gaz. T'étais où? T'étais toi? Non, là, le mec qui avait pas rentré au pit encore. Ah, ok. J'étais à 7, je pense. Je vais remonter à... Viens en bas, mon André, de bonne way. Yes, sir. Merci. Excuserai du silence. J'essaie vraiment mon possible de me concentrer. Puis en ce moment, j'ai un calcul dans la tête. Là. On est short en gaz. J'essaie de calculer comment je vais gérer ça. Ils songe à faire un flashy go. Là. Je sais pas exactement combien de tours il va me manquer après l'autre petit stop. Là. Prochaine tour, Patrick. Ouais, mon André, ta connexion n'a pas l'air bien bonne, hein? Ah non, ça va vraiment pas bien, mon affaire. C'est peut-être ma connexion. Pourtant, si c'est vert, c'est tout est vert. Même, j'ai pas de ligne, tu sais.
sais pas. Stay low, Eric. I got you, buddy. Ah non, c'est pas ça. Thank you. Ah, mais il y a de quoi parce que le char en avant de nous disparaît aussi. Il y a plein que ça vient de nous. Ouais, c'est bon, madame. Mais là, c'est de garder notre charte. Ah oui. Tu rentres dans mon labé. André. Pas de problème, madame. Chacun son tour. Pitting this time by. One of them hitting your time by. Ça, c'est un tarlet, hein, mais si. T'as dit qu'il rentre trop vite. Ah oui? T'es pas entendu? Oh, moi, je l'entends. Il rentre fort, là, mais. Non, je l'ai vraiment pas entendu. Je sais pas pourquoi. Et salut, c'est que c'est ça le problème, je l'ai pas entendu ici. J'ai pas entendu personne parler. Moi, je l'entends. Laquelle, par exemple, tu sais que tu l'entends? Je peux t'entendre à ton corps. Il y a l'embandré, j'ai des tailleurs neufs. Passe-moi en bas, Pierre. Ouais, de toute façon, je vais piter, là, j'ai tout perdu de momentum, mais... Pour les pitting.
Viens en bas, Alex. Yes. Yep. Enfin bon. Ben là, un beau mot avec. Laisse la voix, Sylvain. Calum, il est là encore? Ah, c'est magique. Oui. Je pensais que Calum, il a pas pu t'encore. Il vient de me passer. C'est toi qui l'es, Manix? Tic-pitting. Ah, good. Bah, c'est que tu vas être serré sur le gaz, Manix? Ouais, moi aussi, c'est ça, j'ai short-pitté. J'ai commencé à me demander si t'avais un qui s'en allait sur le gaz, Black Burn, un column parmi In. Yes, sir. Merci. C'est moi, Eric. Prends-toi, c'est correct. Continue. C'est pas de moi, continue. C'est beau. C'est vidéo. Ah, je pousse, c'est normal. Mon chat va aller aussi bien que ça vendredi. Bien joué. On te le souhaite bien, mon Alex. J'ai le feeling qu'il ne fera pas aussi frais que ça, par exemple. Tu en as 5 degrés au Texas. Pas sûr. Oh, la strat est flamme, par exemple. Il va t'en avoir de la grippe à temps. Au soleil, peut-être pas trop. Non, mais la strat est vraiment bien. Avec la face, c'est pas dans le jeu. Ouais. C'est rough en ici. On va continuer. Ah oh ouais, j'essaye n'importe quoi. Ouais, mais je vais rester en arrière de tout de toute façon. J'ai rien à gagner à te déposer. Ah, oh, moi j'ai plus rien à gagner à pousser non plus. Je vais me décourager. Là. Rien à faire. Où mon fern, ça va tu? Ça va pas vite, mais ça va. Ok. Le train va loin. Ouais. On pourrait lancer le gaz bien après ça.
Watch out, man. Watch out, the phone. Vous allez pouvoir la voir sur le live stream, celle-là. T'as dit ton sang à fesse. Ah, j'ai manqué Fessel 35. Je pense que tu t'es tonsé une fesse. Oh, c'est mon acte. I apologize to anyone I gave damage to there. Oh, don't worry, Adam. You just gave me, a new, the need for a new suit. I saw a couple people go by at lightning speed while I was crashing, but I couldn't tell who it was. Good lord. Let the boat 7 car by. René, faut que tu y vas. Eh bon. Ah, c'est vrai, c'est proche de la patte. Basker, backstretch. Vous êtes tout jaune? Ouais. Ok, ben je voulais juste dire bonne chance à Alex pour en fin de semaine, puis je vous souhaite bonne course, les gars. Moi, je suis out. C'est les gars, merci. Salut. Ah, Chris. Pépé. 20 more laps. Ouais, Spinner, simulation pit crew, one time. Ça compte pas, Alex. Ça se compte pas? Ben, Chris, je vous suis j'ai rentré au pit. Je t'ai vu. Pas tour d'or. Pas prêt à réparer, hein. Pas tour d'or. On aura de besoin. Je vais rentrer au pit, il est fermé ici. Alors ça y est. Une crème de gang qui vont... On est quand même assez vite là. On est pas gros. Non, pas beaucoup. On est 6. 6, pour moi, mais Alex va tenir. Là, il va en revoir une coupe qui vont rester, là. Il n'a pas pité, là, fait que. Si je te colle de même, Alex, ça nous dit de passer le 35. Pas de trip. Ah, Pat, merci, est sur le lead là. Je crois que oui. Là, oui. Ah, ok, ok, ouais, il va se délapper. C'est bon. Passer. On va pogner Wave around. Ouais. Ouais, c'est ça. Ben, tu l'as payé, Pat? Martin, let me know what I got a passing under yellow light flag for. Ok. Manque un tour. Bon, hey, je vais rattraper le temps perdu. J'ai été concentré pendant super longtemps. Écoute, c'est une belle course, je veux dire. Il reste encore une vingtaine de tours, c'est pas terminé, mais on a potentiellement un très bon résultat. Je suis resté concentré. Donc, ça va très bien en ce moment. Je suis très à l'aise avec la voiture. Je vais donner un petit coup sur le tape, un petit coup sur sur les pressions. Voir si on est capable d'aller chercher un petit peu de compétitivité, mais ça va être difficile de... De rivaliser avec Monsieur All By Myself Labbé devant nous. Il était nous chercher. Il était vraiment nous chercher rapidement. Where do we race next week? Loudon, New Hampshire. Ouais. T'as-tu roulé ton tape à 52 tout le long, Alex? Oui.
Je l'ai baissé à 50 au début. À chauffer? J'étais à limite. Ah non, pas du tout. Moi, ça n'a jamais venu rouge. Non, ça n'a jamais venu rouge, mais j'étais à 2,60 sur l'eau, puis ça montait dans le 2,70 sur l'huile, non? Ok. Ah non, ça. Au-delà d'avoir de trouble. Bon, c'est un short run, ça ne ferait pas faire une grosse différence, donc. T'es poqué un peu, hein? Non, ouais, je sais, j'ai trop poussé tantôt, j'ai essayé de chercher du temps, mais facile mur en deux. Ça. Pas faire frotter parce que ça a fait ça, là. J'avais même pas 10 secondes. Là, ça. Oh! Pour aller en bas. Oh, je vais pas marquer, excuse-moi. Mais... Ça me disait de rester en arrière de vous, mais en bas. Vas-y, en bas. C'est bizarre. Il y a un bon. Brad, tu fais un nœud. Es-tu dans le même tour que les autres en avant de toi, Sylvain? Vas-y, André. Non, parce que ça me dérange pas de rester ici, moi là. On va rester ici, si t'es capable de te battre avec eux autres. Ah, il n'y a pas sur le tour. Sylvain, c'est le premier gars un tour en arrière. Ouais, va me laisser faire. Continue ton affaire, Sylvain. C'est pas grave, moi d'abord. Prends des tours en masse. Excuse-moi, je pensais que ça allait être plus rapide. Max. Oh, ça va qu'elle me le donnait de même. Okay. Un petit tour de la fin de même. D'après moi, il va être dans le draft. Là. Ça, c'est son. Son move. Mais le chien, parce qu'il me manque pas grand chose. Non. Vas-y, tu peux y aller.
Excusez encore une fois si je suis pas jaseux, je suis vraiment concentré. Ça va être une course intéressante, ça va être une de nos premières qu'on a juste un seul jaune, c'est vraiment une très belle course en général pour le groupe, vraiment fier de la gang. De mon côté, une deuxième place c'est excellent pour le championnat, j'ai pas à me plaindre, c'est... je pense que c'est ma troisième, deuxième place cette saison, c'est un petit peu... ça, sur ce côté-là c'est un peu frustrant, mais j'ai pas à me plaindre, c'est des points importants pour le championnat que je ramasse. L'important c'est de passer au prochain tour. Avec la deuxième, je dis pas que c'est garanti, mais ça va me donner un très beau coussin à venir pour la semaine prochaine, qui est une piste qui va être beaucoup plus difficile pour moi. Les 1000 et demi, c'est vraiment une de mes forces. Les 1000 puis là, comme l'Arden, ça va être très difficile d'être performant. Je m'attends à faire un. Si je fais un top 5, je vais être bien heureux. Donc, ça sent la fin pour monsieur Alex, all by myself, Labbé. Il reste 3 tours à faire pour aller chercher la victoire dans le chase et lui se qualifier automatiquement. Dans le fond, M. Labbé, anyway, je suis pas mal sûr que juste avec les points, il est pas mal clear, mais ça va lui donner là, sa place officiellement dans le Ascending 8, donc la ronde des 8 du chase. De mon côté, je pense que je suis pas mal juste à ramener la voiture à la maison pour la deuxième. Encore 2 petits tours à faire. J'étais plus silencieux vers la fin de la course, évidemment j'étais concentré puis j'essayais vraiment d'aller chercher quelque chose, mais il manque de quoi à ma voiture pour être compétitif avec Alex, malheureusement. Monsieur Larouche qui me souligne mon effort difficile. Je sais que je travaille Larouche, je le sais. Donc, dernier tour, on va terminer ça en force. Regardez la voiture sur le pavé. Le pavé qui a été refait au Texas, comme Alex le mentionnait. Donc, ça va être une course bien intéressante samedi. En Xfinity pour M. Alex Labbé. Sa première sur 1 mile et demi. Et ça va être d'ailleurs sa 4e victoire de la saison. Dans la série Alex Labbé Season of Champions, se qualifie pour la ronde des 8. Félicitations, M. Labbé. Yes, of course. Good run, Kevin. Moi, j'ai pas compris. Avant le dernier pit, j'étais à 2 tours, puis quand la course est partie, j'étais à 3 tours. J'ai pas le tour là. Bien, t'étais en avant de moi. Ben t'étais ouais, en arrière de moi. Ça, je comprends pas. J'ai perdu un tour. J'ai perdu un tour pendant que j'ai quitté Chris. J'ai pas laissé passer le pace car là. Bon, demain matin, Alex. Je sais pas, moi non plus, Claude. Je comprends pas. Demain soir. Félicitations. Bravo. Bon, Alex. C'est beau, Alex. Yes, merci, les gars. Oh, j'ai mal! Wouhou! Bon, de belle course! Donc. Bon, Alex. Bon, Alex. Alright!
Si vous êtes encore sur le stream, restez avec nous. On a encore un petit peu, on va jaser. Puis on a une petite compétition à vous proposer. Restez en ligne. De mon côté, je vais quitter le serveur d'e-racing. Je vais me retourner. Ouh, il est chaud. Wow, wow, calme-toi, le vidéo. Wow, pas ça, je veux. Hey. Calme-toi. Là, ça marche. Vidéo chase, ok, il est là. Ça marche trop. Ouais. Tout le temps dessus. Ah, viens de revenir, attends un petit peu. T'entends respirer comme attends un bœuf. Je m'en vais, je reviens. Salut les boys, mon frère. Allez, me coucher. Ouais, va te reposer. Salut Alex, puis bonne soirée, mon labbé. Ouais, salut yes. Alex. Bonne chance. Merci, gars. On check ça aller. Parfait. Donc, on va aller faire les points immédiatement pour vous donner une idée du championnat, de quoi ça a de l'air. C'est la première chose que je vais faire, ça va me prendre un petit instant. On finit par faire un top 6 avec tout ça. T'as eu de la mesure, Manix? Ah ouais, je sais pas si c'est vrai aussi. Les pédales, là, on dirait que les pédales ils s'ajustent pas comme il faut, là, puis je vois pas jusqu'au fond. J'ai pas de vitesse, pas de speed. T'as fini combien, Manix? J'ai fini 6e. Mon écran est venu noir à un moment donné. Tabarnak. Moi, il a figé deux fois. Hey, Martin, tu là? Non, frère. Pas pire malgré tes problèmes. Ouais, mais. Il me semble que j'avais réglé ce problème-là, l'écran noir, puis là, ça a recommencé. Je sais pas pourquoi. Ça m'a fait ça. L'écran, ça m'a fait ça d'un. Ok, messieurs, les points vont être sur TeamSpeak. Je vais faire la grille au plus tôt. For him. And Mario Gosselin is his crew chief in real life, so it's Mario Gosselin's 90 car that he's driving. Heck yeah, I was thinking, I was like, ain't that Gosselin's car? Yeah, but Gosselin's a really good friend of ours, and he's been Alex's crew chief since his beginning in the stock car world, so they get along real good. And right, Martin, I'm just burying you for a second. Guys, the point standings are on TeamSpeak right below. Hey Eric, I was trying to help you all I could, but when I was directly behind you in the draft, I was looser than crap, so I was like, I gotta back off. Oh, that was fine. I was surprised that you let me go that easy. I'm like, he's gonna at least try to claim a second if a caution comes out or something, but you just let me by. I'm like, I looked at it and I was like, Eric really has a chance. I was like, if anybody else out here has a chance to run down Labby, it was you. I was like, I'm gonna let him go and just ride behind. Yeah, no shot at him. Absolutely no shot at him. All right, I'll make it to points grid and I'll be right back. That was Kevin Hash. I'll just move out of the TeamSpeak channel here for a minute. And I'll work on those points right away. And in the meantime that we're working on points, guys, this is the moment called DrAPoW's Race Time. You guys get to bet on who's going to win this race of 20 laps at Iowa Speedway. This game is called Jenner Rally. It's a top-down racing game, really addictive. I've played that game quite a lot. So here are your options. I'll get the bets started right as of now. There we go. So all you got to do here is bet on a car or a maker. So you have the options coming down on chat right away, there they are. And if your car wins, you'll double your bet. If you choose a maker, it's going to be only half your bet as a winning, but still. And you can bet with the currency, which are the trophies in the chat. Donc pour ceux qui sont en français, on décolle le drapeau race time. Donc vous avez dans le chat les façons pour miser. Donc vous faites point exclamation bet avec le numéro identificateur de votre mise. Soit un 1 à 6 pour une voiture ou 7 à 9 pour un constructeur. Et ensuite, vous mettez le montant que vous vous misez. Vous pouvez faire point d'exclamation trophée pour voir combien de trophées que vous avez. Je vais vous le faire à l'instant. Comme petit démonstrateur. On a une belle quantité de trophées. On va mettre ça même une petite mise ici. On va parier sur la voiture numéro 53. On va lui donner un petit 100 trophées.
Donc, on va voir ce que ça va donner de ce côté-là. Pendant que ça roule, moi, je vais vous partir ça dans quelques instants, laisser le temps un petit peu aux gens de venir miser. Moi, je vais m'occuper de faire les points pour la série. Puis, je vais vous montrer ça, l'image que ça a. So, guys, while this is all going on, I'll leave it a few minutes before closing the bets. We'll get the race going. And I'll make the points for the championship and show you that. And then that's going to be it for the night. Just move that out of my way one second. Here we go. Tu me parlais, toi, j'avais pas compris tantôt. Non, c'est vrai que je voulais que tu empruntais l'attention une seconde pour dire au gars que les points étaient prêts, mais je suis en train de faire les points en ce moment. C'est cool le standing, t'as remonté de plus 4, là, c'est bon. Ah, oh, je suis en train de travailler là-dessus, là. Labbé, il va être intouchable. Ah, oh, Labbé, il est classé, il a gagné. Kavanagh, pas pire pareil. Il y avait un bon set. Alright. Let's get this done, shall we? And, aussi, ça va nous prendre, c'est comme un petit peu plate, il se passe absolument rien. On va s'en repartir la DrAPoW's playlist. Donc, gang, si vous voulez la playlist pour Spotify, disponible ici. On va repartir ça. Donc, savez-vous, s'il y en a qui ont des questions, gênez-vous pas en passant, on est là pour ça. On va essayer de répondre à vos questions. Je sais que le sim racing, c'est pas un sujet qui est toujours très très qui est pas très très connu. Donc si vous avez des questions par rapport à ça, gênez-vous pas. Par rapport à la série, par rapport à tout ce qu'on fait, on me fait plaisir de prendre le temps d'y répondre. Pendant que je fais les points pour le championnat. C'était vraiment agréable de recommencer le streaming ce soir, j'en suis vraiment content, tout a été smooth, j'ai hâte de le réécouter. Donc, merci à ceux qui sont présentés ce soir, donc laissez encore un petit quelques minutes, voir s'il y en a qui veulent mettre des mises pour le race time. Donc, encore une fois, tout est dans le chat, toutes vos options sont là. Non. Ça comme faux. Donc, toutes les grilles de classement, je fais tout ça manuellement après les courses. Ça me prend un petit instant, mais c'est pas agréable à faire donc. J'en prends plaisir. Également aussi une autre chose à faire que je vous suggère, si vous avez bien aimé la course ce soir, d'aller sur Spinner Simulation Super Series sur Facebook, allez suivre notre page. Ça va donner toutes les informations nécessaires sur la ligue, tout ce qui se passe, toutes nos nouvelles. Donc la semaine prochaine, on se retrouve au circuit de Loudon au New Hampshire pour la dernière ronde de la ronde des 12, de Aspiring 12. Oh, ça va être dur, ça.
c'est John Schweiker qui, par son absence, malheureusement, je me souviens qu'il partait en vacances, se retrouve à 42 points de la bulle, donc ça va être extrêmement difficile pour lui de rattraper ce retard-là. Je pense pas que ça va être possible d'ailleurs. Donc, officiellement, M. John Schweiker va se retrouver éliminé du chase en vue de son absence aujourd'hui. C'est quand même très dommage. Là, il était cherché une victoire cette saison au Kansas. Toujours été très performant. Une fin de saison plus difficile, plusieurs incidents. En général, un pilote toujours dans le top 5, toujours très compétitif. Donc on va le perdre au niveau des séries éliminatoires dans la série, malheureusement, en raison de son absence. Il reste maintenant à faire que les points numériques. On va fermer les paris pour la course, mais on va la décoller. Donc, tenez-vous prêts. On va partir sans force. Donc, c'est parti pour la première édition du DrAPoW's Racing Time à Iowa Speedway 20 tours. Voyez vos voitures au bas. J'espère que vos paris ont été rentrés. C'est parti! Déjà, ça va pas une grande ça. Une belle avance. Donc, au premier tour, il y a des arrêts au puits là-dedans, donc tout va changer. Par la suite, je vais juste me concentrer encore un petit instant sur les points pendant que ça roule. Je vous laisse apprécier le spectacle, mesdames et messieurs. Sur un autre arrêt au puits. C'est intéressant de voir le résultat final de cette course-là.
tête, la voiture qui appartient à la voiture 93, qui sort une très grosse performance ce soir, suivi de la 17, la 26 et du 53. Puis derrière, on a deux autres voitures, le 7 et le... Excusez-moi, le 34, mais ces voitures-là ont déjà fait un arrow wheel, donc ça va être très intéressant à suivre. La voiture numéro 7, félicitations! Également, ceux qui ont engagé sur Toyota, vous, vous méritez des trophées! Donc, la voiture numéro 7 et Toyota qui vont prendre la première victoire au niveau du race time. Et on va juste laisser le petit mot envers les créateurs du contenu sur Generally. Donc, le jeu, c'est Generally 1.2, c'est sur Jenny-Rally.com. Je vous invite vraiment à aller le chercher, c'est un jeu gratuit. Vraiment très bon petit jeu top-down. On veut remercier pour la piste Andrea Tibiletti. Donc, pour la piste, et c'était Puts au niveau des voitures. Donc, tout du contenu créé par les utilisateurs. Et on va mettre à jour les classements. Donc, Toyota et la voiture numéro 7 qui remporte leur première victoire. On va aller faire les paiements immédiatement. Donc, félicitations à ceux qui ont été chercher des trophées là-dessus. On va vous montrer à l'instant. Donc, je reviens sur mon... Fermez ça. On va revenir ici. Et on va vous présenter la grille mise à jour. Donc, M. Labbé, avec sa victoire à Texas, va se mériter un classement automatique dans la ronde des 8. Kevin Ash avec sa troisième place, et moi-même avec ma deuxième, on vient de se redonner un beau gros coussin d'une dizaine de points sur la bulle. Derrière, ça s'est chamboulé un petit peu, Carla Mainécal avec sa quatrième qui a été chercher plusieurs points aussi. Les autres derrière, ça se maintient quand même, donc ça va être très serré pour la dernière place disponible. Malheureusement, derrière, M. Marcotte et M. Feiglin, ça va leur prendre une très grosse performance pour la dernière course, pour aller rechercher le temps perdu. M. Schweiker est à 42 points, ça va être la fin des haricots dans son cas pour les séries éliminatoires. Malheureux dans son cas qui a dû s'absenter, mais ça va être très intéressant la semaine prochaine, mercredi prochain, 8h, heure de l'Est, même poste, on va être au circuit de Loudon, au New Hampshire. Écoutez, ça m'a fait plaisir d'être avec vous ce soir, on va remettre ça à la semaine prochaine. Ça a été encore une fois un plaisir de revenir sur le stream live, et on se remet ça, gang, ça a été un plaisir, à la prochaine.